À trois jours pratiquement de la rentrée scolaire, la situation des enseignants n'est toujours pas décantée. Malgré les promesses du gouvernement de rehausser l'enveloppe salariale à Bukavu, après l'Assemblée générale de restitution tenue ce jeudi 29 août, les professionnels de la CRE se disent sceptiques. Suivez la déclaration des syndicats des écoles catholiques, protestantes et publiques lues par Pacifique Kubaka dans ses propos recueillis par Jeannot Kalinga. Déclaration syndicale. La synergie des syndicats des enseignants du site Kivu, Sinecat, Sinep et Sieko, s'est réunie ce jeudi 29 août 2024 à l'EP Matendo afin de suivre la restitution des conclusions des assises de la commission paritaire tenue récemment à Bibwa, à Kinshasa. Après restitution, les enseignants ont pris la décision suivante. 1. S'agissant de la carrière, les enseignants du site Kivu soutiennent la mise en place de la commission interministérielle portant mise en œuvre de la recommandation du président de la République à l'issue de la 6e réunion du Conseil des ministres. 2. Pour les volets retraite, les enseignants soutiennent les engagements du gouvernement, notamment apurer les litiges des enseignants de 2021-2022, dont l'effectif est estimé à 3 070. Payer les allocations de fin de carrière des enseignants retraités depuis 1984. Examiner tous les contentieux liés au processus de mise à la retraite des enseignants. Harmoniser les vies avec la CNSAP au sujet de la gestion des enseignants retraités en prenant en charge leurs avantages sociaux. Accélérer l'identification des enseignants retraités. Octroyer des numéros matricules aux enseignants comme les autres agents du régime général. S'agissant de la santé, les enseignants du site Kivu exigent la subvention de l'État à la mutuelle de santé des enseignants du site Kivu, étant donné qu'elle soigne aussi les enseignants des écoles publiques, à l'instar de la MESP. Vu que les enseignants ne sont plus prêts à accepter les promesses irréalisables du gouvernement, à l'unanimité, les enseignants décident de rester à la maison jusqu'à ce que les engagements du gouvernement soient matérialisés, tout en exigeant l'amélioration de leur salaire. Ainsi fait.